Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait. Aujourd'hui on va pas faire une matinée dans ma peau ni une après-midi dans ma peau, on va faire un week-end dans ma peau. Donc je vais vous amener avec moi dans mon week-end puisqu'on va voir pas mal de chevaux dans cette vidéo puisque chaque jour, chaque matin, chaque après-midi je vais aller voir des chevaux normalement. Donc là on est samedi matin et on se retrouve donc pour la première étape de mon week-end. Je vais aller voir les deux chevaux qu'il y a à côté du lac. Ils sont tous les deux trop mignons, du coup j'ai envie d'aller les voir ce matin. Donc on va y aller ensemble. Regardez qu'est-ce qu'il y a là-bas, il y a un petit chat. J'ai un copain pour ce matin. Faut que je fasse gaffe, il y a beaucoup de boue. On va aller voir le petit chat. Ah bah il vient vers moi. Il a un petit peu peur de moi, mais j'ai pas envie qu'il descende au lac parce que sinon, ah bah voilà, il est allé sur le côté. Je voulais pas qu'il descende au lac parce qu'il aurait pu se faire écraser au lac parce qu'il y a une route en bas. Mais bref, on continue notre descente pour aller voir les chevaux. J'en profite le temps que je marche pour vous expliquer un petit peu ce que je vais faire ce week-end. Donc là on est donc samedi matin, je vais aller voir les chevaux en bas. Ensuite cet après-midi j'ai ma séance d'équitation, donc je sais pas s'il y a une amie qui pourra venir me filmer, je sais pas encore, mais j'essaierai de lui demander si elle peut me filmer. Donc dimanche matin, donc demain, je vais également aller voir les chevaux en bas normalement, s'il fait beau, mais normalement il fait beau tout le week-end donc c'est plutôt cool. Et après, dimanche après-midi, je sais pas encore si je suis libre pour aller voir les juments avec Emma. Parce que, je sais plus ce que je veux dire. Ah oui, parce que lundi je pars à Paris. J'ai trop hâte d'ailleurs. Du coup, faudrait que je prépare mes affaires, mes valises, etc. Donc je sais pas encore si je serai disponible. Mais là, je vous retrouve quand je serai en bas au lac. Actuellement à la recherche des petits chevaux. J'espère qu'ils sont pas trop loin parce qu'il y a beaucoup de boue. Donc j'ai pas envie de m'aventurer dans la boue. Mais on va aller les chercher. J'espère qu'ils sont... proche d'ici quand même. L'herbe est trempée donc mes chaussures sont dans un état, j'ai les chaussettes trempées. Bref, voilà tout ça pour aller les chercher, je sais pas où ils sont mais bon voilà, je vous retrouve quand je les aurai retrouvés, enfin je les aurai trouvés. Je sais pas si on les voit mais ils sont tout au fond là-bas. Bon go aller les voir hein. Mais je les ai trouvés, ils sont tout au bout. Donc ça me fait une bonne marche mais bon c'est pas grave. Regardez-moi ça comme c'est beau quand même. Il y a une vache derrière, une grosse vache, elle me fait un peu peur. Oh je crois qu'il vient. Ah non. Il y a un petit poney là-bas derrière. Coucou, viens me voir. Ils sont trop beaux. Coucou. Salut chaton. Qu'est-ce que t'es beau. Il y a un autre petit poney là-bas, je sais pas si vous le voyez. Tout là-bas, il y a un petit poney dans la forêt. Coucou petit chat. Viens me voir. Fais gaffe à la clôture juste. Ah, il mange. Il est beau, il est trop beau. Il est un petit peu sale mais il est trop beau. Et les petits loulous là-bas qui vivent leur vie. Je crois que le petit poney vient. Oh, il est trop mignon. Il est adorable. Qu'il est beau. Viens loulou, viens. T'es bien ici. Hein. Il a de la place. Regardez le prix qu'il a. Tout ça. Et là, ça va jusqu'au lac. Très très loin. Il est bien ici, je pense. Ils sont tous très bien. Oh, regardez l'autre, il vient. Viens. Ils viennent tous les deux. Sont magnifiques. Ça fait trop du bien de voir des chevaux comme ça juste à côté de chez soi. Ils sont trop beaux. Ils viennent voir leurs copains ou leurs copines, je sais pas si c'est des filles ou des garçons. Oui, les loulous. Et voilà, j'ai fini d'aller les voir. Je pense que je vais remonter parce que normalement là je suis loin du pré donc faudrait peut-être que je me rapproche. Ah, le petit poney vient, il est trop mignon. Il est adorable le petit. Du coup, je pense que je vais remonter chez moi. Je retournerai demain matin de toute façon. Ah, peut-être qu'il vient me voir, lui. Bon, je vais laisser tranquille. Je vais rentrer chez moi, je vais remonter en haut. Je suis donc ensuite allée plus vers le lac pour pouvoir ensuite remonter par le chemin pour aller chez moi. Donc là, je vous ai filmé moi qui marchais, mais mes chaussures étaient vraiment trempées. Et quand je suis rentrée, j'avais les chaussettes pleines d'eau. C'était horrible vraiment. Et donc là c'était quand j'étais arrivée plus vers le lac, donc j'étais bien contente puisque je sais pas, au bout du pré je me sentais pas rassurée. En plus il y a un monsieur qui m'a croisée qui m'a dit bonjour et j'ai eu peur de lui alors qu'il m'a juste dit bonjour et qu'il était très gentil. Mais avant de remonter en haut chez moi, je suis quand même allée dans un endroit du lac que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est cet endroit et avec des arbres devant le lac que je trouve vraiment super beau, donc j'ai juste regardé. C'était juste pour vous montrer le paysage mais je m'aventure pas plus loin parce que regardez la bouillasse qu'il y a. Du coup je vais rentrer chez moi.
Au revoir le lac, à demain. Après avoir fait mes adieux au lac, je suis remontée en haut pour revenir chez moi. Donc j'ai mis la vidéo en accéléré pour pas que vous voyez tous mes pas, toute ma marche, c'est pas le plus intéressant. Mais voilà, je suis donc remontée en haut de chez moi et la montée était plus difficile que la descente. Hein. Là je vous ai un petit peu montré le paysage, en plus il y a des champs de colza du coup pour faire de l'huile de colza je suppose, qui sont très très beaux, je trouve ça vraiment très joli. Juste désolée pour les lumières, c'est juste que comme c'est en accéléré, ben, ça fait des lumières bizarres. Et là j'ai attaqué la deuxième montée. Enfin arrivé devant la porte d'entrée. Je suis bien rentrée à la maison, j'ai très chaud parce que j'ai couru dans la montée donc je meurs de chaud. Mais là ce matin j'ai plus rien en rapport avec l'équitation à vous filmer, donc je vous reprendrai cet après-midi à mon départ pour l'équitation. À cet après-midi. Salut salut, donc là il est 14h45, je suis descendue en bas pour me chausser et après je monterai quand mon amie m'aura dit qu'elle sera partie. Du coup j'ai trop hâte parce qu'en moment aujourd'hui on fait peut-être dressage, je suis pas sûre mais je crois. Du coup j'ai trop hâte, j'ai trop envie de faire dressage et au fait mon amie est d'accord pour me filmer aujourd'hui donc je suis trop contente qu'elle soit d'accord pour me filmer, comme ça j'aurai des vidéos de moi normalement en dressage si on fait dressage et vous les verrez dans la vidéo. Personne n'a le droit de juger mes chaussettes, je vais mettre donc mes boots et mes chaps. Et voilà. Je suis actuellement en haut sous la pluie en train d'attendre que mon ami arrive. Je vous reprendrai dans la voiture ou quand je serai arrivée à l'équitation. A tout à l'heure. Une fois arrivée au club, j'ai donc regardé qui ont monté mon ami et moi. Donc là, je regarde le cheval de mon ami. Et là, je regarde mon cheval. Et regardez comment je suis trop contente puisque je montais Bengal, ma jument préférée. Du coup, moi, je monte Bengal et mon ami, elle monte Obélix. Bengal est déjà monté, donc là j'attends que les autres aillent chercher leurs chevaux. Bengal était malheureusement déjà monté, j'ai donc accompagné une première amie pour qu'elle aille chercher son cheval. Donc le cheval que vous voyez sur la vidéo, il s'appelle Obélix, c'est le cheval que mon ami montait. Et ensuite j'ai accompagné une autre amie qui montait Caradoc, donc je l'ai attendu sous la pluie et dans la boue parce qu'il avait plu aujourd'hui, donc il y avait énormément de boue. Et là j'ai retrouvé mon bébé d'amour qui revenait de son cours de dressage d'avant et je l'ai brossé un peu parce qu'elle avait plein de sable de carrière sur elle, donc je l'ai brossé. Parti maintenant pour la voix off de mon cours de dressage. J'ai donc détendu Bengal au pas, donc j'ai pas de vidéo mais bien évidemment je l'ai bien détendu au pas avant de passer au trot et au galop. Et là j'ai des vidéos donc au trot et au galop pendant la détente. Elle était adorable mais elle était quand même un petit peu molle donc je devais mettre quand même pas mal de jambes. Vient le moment de la détente au galop, donc j'ai galéré vraiment à la faire partir au galop. Je devais mettre beaucoup de pression et de coups de talon à des moments même parce que sinon elle n'avançait pas. Donc voilà, là on voit un petit peu galoper, mais elle repasse au trot après. Voilà maintenant mon premier passage sur l'exercice. Donc le but était de faire un départ au galop dans les barres, donc sur n'importe quel pied. Donc moi elle repassait au trot, mais la monitrice me dit que c'était pas grave, parce que comme c'est une jeune jument c'est pas grave. Et j'essaye de repasser au galop après. Là ne me jugez pas, c'est vraiment un gros fail. Donc en gros on arrivait au trot assis dans les barres, donc elle était trop confortable au trot assis. Et là j'essayais de la faire partir au galop à gauche. Donc on dirait que je fais rien, mais si vous inquiétez pas, je mettais beaucoup de pression dans mes jambes. Mais elle ne partait pas au galop, donc là c'est vraiment un gros fail, j'ai tout raté. Ce passage là c'est plutôt bien passé, donc j'arrive pareil au trot assis sur mes barres, enfin dans les barres. Donc voilà, son trot assis comme je vous l'ai dit était vraiment super confortable. D'habitude je rebondis un peu, mais là pas du tout parce qu'elle était super confortable. Donc là j'ai plutôt bien réussi, elle est pas partie pile dans les barres mais quand même juste après, donc voilà. Et je pars donc à droite, bon elle garde pas le galop longtemps mais la monitrice m'a dit que c'était pas grave si elle le gardait pas longtemps. Encore un passage qui s'est super bien passé, donc j'arrive au trot assis sur mes barres. Juste je précise que les autres ils le faisaient du pas au galop mais moi la monitrice m'a demandé de rester du trot au galop. Parce que comme c'est une jeune jument elle est peut-être pas encore capable de faire ça, surtout avec moi. Peut-être avec une cavalière expérimentée oui mais pas avec moi. Et là ça s'est bien passé, elle est partie au galop, bon après les barres mais c'est pas grave. Elle a pas gardé le galop trop longtemps mais j'ai essayé de la refaire partir au galop après mais c'est pas filmé. Donc là dernier passage, donc je vous laisse avec les vidéos. Après ma séance, j'ai décellé Bengal et voilà le avant-après quand elle a été décellée et brossée. Une fois qu'elle était toute propre, je l'ai donc ramenée à son pré. Et je l'ai relâchée et c'était beaucoup trop mignon parce qu'en fait d'habitude les chevaux ils partent directement dès que je les lâche. Et là elle restait avec moi et tout, elle demandait des bisous. Donc c'était trop mignon et là quand je suis partie, bah, elle me suivait. Donc elle était trop mignonne et ensuite elle est allée boire à son abreuvoir. Et je suis ensuite partie du centre équestre.
Je viens de rentrer du cheval, donc comme vous avez pu le voir sur les vidéos, j'ai eu quelques difficultés à des moments, mais sinon c'était vraiment une top séance. Bengal a été adorable, j'étais trop contente de la monter et ben, j'ai adoré cette séance, voilà, même si j'ai eu pas mal de difficultés. Mais je vous retrouve donc demain matin ben, pour la suite de cette vidéo, parce que là j'ai plus du tout rien d'intéressant à vous filmer, donc à demain matin. Salut salut, donc là on est dimanche matin et je vais donc partir en direction des chevaux bah, dehors. Donc je vous mettrai les vidéos et je vous mettrai la voix off, donc c'est parti, on y va. Avant de vous montrer les images des chevaux du lac, je vous montre juste le ciel qu'il y avait très tôt dans la matinée que j'ai filmé. C'était vraiment magnifique à voir, les nuages ils étaient trop trop beaux. Et je suis donc partie direction le lac. Une fois arrivée en bas, j'étais un peu dégoûtée parce que comme le jour d'avant, les chevaux ils étaient pas juste devant, mais bon, c'est pas grave, je suis de suite partie à leur recherche. Et je les ai trouvés, ils étaient tranquillement en train de manger leur foin dans leur atelier, donc le B il était derrière le blanc. Donc voilà, là j'ai filmé le B, c'est un petit peu mon préféré entre guillemets, je le trouve trop trop mignon, mais ils sont tous les deux très gentils. Et là j'ai essayé de les faire venir avec de l'herbe, mais bon ça a pas marché, c'est normal, je les comprends. Ils préféraient manger tranquillement leur foin. J'ai donc décidé de partir à la recherche des petits poneys, les Shetland, mais j'ai rebroussé chemin parce qu'en fait l'herbe elle était vraiment trempée. Donc comme le jour d'avant je m'étais vraiment mouillé les chaussures, j'avais pas envie de refaire la même erreur. Donc j'ai préféré rebrousser chemin et retourner sur mes pas en quelque sorte. Donc dis au revoir aux chevaux et je suis remontée chez moi, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je viens de rentrer des chevaux, donc de toute façon je vous ai tout expliqué dans la voix off, donc voilà c'était trop bien vraiment, ben, ça fait trop du bien le matin comme je vous l'avais dit hier d'aller voir les chevaux le matin. Alors moi je vais vous laisser ici parce que cet après-midi je pense pas que je vais aller voir les juments parce que le temps il est vraiment moche, il fait pas beau du tout, donc je ne pense pas que j'irai aux juments cet après-midi avec Emma. Donc moi je vous laisse donc là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que de voir aussi comment je montais hier après-midi vous aura plu puisque je crois que c'est une des premières vidéos en dressage que vous me voyez, donc en plus sur Bengal, ma jument préférée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, bye bye.